Bonjour. Bonjour. Alors, me revoilà avec mon acolyte Yanis pour vous présenter nos achats de Action de cette semaine. Donc, cette semaine, nous avons acheté encore, cette fois-ci, beaucoup de trucs. La semaine dernière, c'était beaucoup de trucs sur beaucoup de trucs alimentaires quand même. Et là, cette fois-ci, c'est beaucoup de trucs loisirs créatifs. Donc, on va commencer tout de suite avec un truc qui n'est pas loisir créatif. Et... Donc, je me suis prise cette bébé crème. Cinq en un. En français, c'est mieux. Hydratation, teinte, voilà. Médium. On verra bien. Je vais essayer. J'en ai déjà essayé 2-3, mais pour le moment, j'ai pas trouvé la crème que j'aime bien. On va continuer avec des petites pinces pour les tutos coiffure, justement. Donc, des petites pinces crocodile. Enfin, elles cassent vite, malheureusement. Donc, l'action, c'était pas trop cher. Donc, de toute façon, je vous mettrai les prix comme d'habitude. Après, donc on part dans le loisir créatif. Je me suis pris une petite rose, enfin une petite fleur de perle, avec de très jolies couleurs. J'aime bien celle-là. Et oui, celle-là surtout. Et pour faire les attrape-rêves, c'est très bien. On continue avec des boutons. Pour certaines créations ou le scrap, enfin des choses comme ça. Donc j'ai pris des petits boutons blancs, mais qui vont peut-être pas forcément rester blancs. J'ai repris du coton, du fil de coton pour les attrape-rêves, parce qu'on est lancé dans les fabrications d'attrape-rêves. Ensuite, j'ai pris des déco bordeurs. Donc il y en a trois, ils font 1 mètre chacun, donc il y a un avec des cœurs, l'autre le bleu avec des nœuds, et le vert avec des petites fleurs. Donc ça, j'ai plusieurs petites idées là-dessus, donc je vais voir ce que je peux faire avec. J'ai repris du washi tape, alors ça je l'avais pris lors de ma première haul action, j'aime pas le motif. Il est jaune avec des étoiles, mais j'aime pas du tout le motif. Mais comme je m'en sers pour faire des pochoirs pour pas mal de mes créations, et ben j'en ai repris. Pour continuer, on a pris des petits encreurs de plusieurs couleurs. Il n'y a pas de noir, mais bon, c'est pas grave. Parce que, voilà, à Action, ils étaient à moins d'un euro, il me semble, les 6. J'étais à Bricot Leclerc. Le gros noir était à entre 6 et 8 euros selon les marques. Et les petits, ils étaient entre 2 et 4 euros. Donc à moins d'un euro 6, bah, je préfère. Même s'il y a certaines couleurs que je trouve un peu flash, c'est pas grave. J'ai repris ces fameux tampons comme la semaine dernière. D'ailleurs, j'en avais pris d'autres. Donc là, on a des modèles un peu sur le voyage. En fin de compte, sur il y a des valises. Il y a des valises, des voitures, une montgolfière, il y a plein de jolies choses. Et un deuxième, où, alors celui-là ça, c'est mon préféré, sur un thème un petit peu la mer, la Bretagne, ça me va très bien. Donc avec des phares, voilà, c'est... Il y a même une mouette, là, c'est même... Ah oui, c'est la mouette celle-là. C'est pas une... Ah ben il y a la mouette et le goéland, quand même. Les spadons, des nœuds, il y a une encre, ah, toute petite encre. Hein. Ouais. Il y a vraiment plein de jolies choses. On continue avec des lettres en carton. Alors, il marque sur le truc de présentation, bas, sur, là où il y avait marqué le prix, il disait que c'était des lettres en aggloméré, sauf que c'est du carton, quoi, donc c'est pas de l'aglo. Et j'en avais besoin pour faire une création que je suis en train de faire en vidéo. Donc j'en ai pris pour ce faire.
On continue toujours dans le loisir créatif où j'ai pris justement les 3D. Enfin, c'est des feuilles où il y a plusieurs dessins et on peut faire ses propres créations en 3D. Elles sont prédécoupées, je ne sais pas si on voit. Voilà, elles sont prédécoupées, donc il y a juste à les enlever et à les assembler. Et il y en a des très jolies. Voilà, moi je trouve ça. Les roses, c'est mes préférés. Moi j'aime les roses. Enfin, j'aime le rose tout court. Enfin voilà, il y en a vraiment plein. C'est très 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 joli. Donc voilà. Après, donc toujours dans le loisir créatif, j'ai pris une petite boîte cœur musicale. Alors, par contre, je ne sais pas ce qu'elle fait comme musique parce que je ne l'ai pas ouverte. On va l'ouvrir ensemble, on va écouter vite fait ce que ça fait comme musique. Voilà. Donc c'est une boîte en carton à customiser comme vous voulez. Si je ne me trompe, c'est la lettre à Élise. Si je ne me trompe, c'est une de mes préférées. Donc voilà. Bon, la petite danseuse, elle est pas très très jolie, mais c'est pas grave. On va dire que c'est surtout pour la musique, pas pour la petite danseuse. Hein. Elle a un peu loupé la danseuse. Donc on va presque finir. J'ai pris aussi, donc c'est une guirlande de perles en bois. Sauf que moi, ça va pas rester en guirlande. Je vais récupérer les perles pour faire des créations pour cet été. Voilà, j'avais besoin de perles en bois, mais j'en trouvais pas, donc j'ai pris ça et je vais la défaire. Et j'ai repris cette semaine le kit que j'avais déjà pris il y a 15 jours, je crois, de fragrance rose, la bougie, enfin les bougies et la petite bouteille pour faire des compositions pour la fête des mères. Car j'ai deux. Alors j'ai un marché et j'ai une exposition à faire au mois de mai. Donc il me faut un petit peu de marchandises quand même pour vendre. Donc en l'occurrence, je vous ferai un tuto de justement d'une des présentations, bah, de cette présentation-là, donc de comment moi je la modifie et comment je vais la vendre par contre. Et puis voilà. Et puis ben mon acolyte va prendre le relais. Donc oui. Qu'est-ce que tu as à nous présenter cette semaine toi? Bah, on a acheté une pince. Donc une pince. Pour ramasser ce qu'il y a par terre. Et pourquoi on l'a acheté? Parce que t'as mal au dos. Parce que j'ai mal au dos et je peux pas me baisser. Donc c'est vrai que je ne peux plus me baisser. Donc quand je fais tomber quelque chose et que j'ai pas un de mes enfants avec moi, c'est assez difficile de le baisser. C'est toute une gymnastique. Et donc ça sera beaucoup plus évident pour ne serait-ce que faire le ménage, ramasser certaines choses que les enfants auraient laissé traîner par terre ou que les animaux auront fait tomber ou quoi que ce soit, plutôt que de me baisser et de me faire mal à chaque fois. On a acheté une brosse à balai. Un balai brosse, hein, c'est mieux dans ce sens-là. Un balai brosse. Pour faire quoi? Pour laver la terrasse. Et pourquoi on nettoie la terrasse? Pour mon baptême. Pour ton baptême et ta communion. Alors on va recevoir du monde début mai pour son baptême et sa communion. Donc il faut qu'on nettoie bien la terrasse parce qu'on va faire ça sur la terrasse en espérant qu'il fasse beau. On a acheté des enveloppes C5 6. Donc c'est normal, enfin normal. Un peu plus grande que la normale, mais nous on n'envoie que nos courriers comme ça. Et des plus grandes. Et des plus grandes pour envoyer à ceux qu'on n'aime pas les impôts. Bah, tout ce qui est administratif, en fin de compte, on envoie ça dans des grandes trucs. On n'aime pas trop les trucs administratifs. Après, on a acheté des pochettes. On a deux roses et deux noires. Et ça, on les a achetées pourquoi? Tu te rappelles plus? Tu m'as demandé pourquoi? Et je t'ai répondu, c'est pour ranger tous les papiers à maman. Parce que voilà, j'ai beaucoup de papiers par rapport à certains dossiers que j'ai fait suite à mon licenciement.
et suite à ce que ma vie devient, donc il va falloir que je classe tout ça pour avoir moins à chercher, parce que là pour le moment c'est tout réuni dans un seul classeur et je m'y retrouve pas. Après on a racheté des candy tubes cerises. Donc ça là vous les aimez vraiment. Hein. Mmh. Ah, c'est... Après on a acheté d'autres et ça on va les déguster. Alors c'est ceux-là, la framboise. Alors, il va vous faire la dégustation. Et j'adore les boîtes parce qu'en fin de compte, je les récupère et je range mes trucs de scrap dedans. C'est pratique. On recycle. Il faut. Quand, je sais, on a déjà goûté, c'est tout, vraiment tout mouillé. C'est gluant. Oui, voilà. Donc, voilà. Les boîtes sont vraiment très très bien. Elles ont une bonne taille et que voilà. Moi j'aime bien la boîte. Alors, on sent bien la fraise. C'est à la framboise, mais ce n'est pas à grave. La framboise. On sent bien la framboise. Oui, bah, tu mangeras plus tard. Mmh. On continue. Et on a pris des snow rolls. Alors, ne me demandez pas de lire chenipalanglais pour dessous. En clair, ça doit être un truc guimauve avec la noix de coco. Du chocolat avec la noix de coco. Voilà. J'essaie de lire derrière en même temps. Oui, mais c'est de la guimauve. Donc bien sûr, il va vouloir la déguster encore. Petit gourmand que Yanis est. Ah, là, par contre, celle-là, elle n'est pas évidente à ouvrir. Et la boîte va me servir, bien sûr. C'est tout mou, hein. Ah oui, j'ai à peine mouillé mon pouce dessus, c'est... Il s'est enfoncé. C'est vraiment tout mou. Trop bon. En plus, j'aime bien la noix de coco. C'est trop bon. Et ouais. La caméraman m'en demande un aussi. Qu'est-ce qu'elle peut manger, cette caméra-là? Voici nos quelques petits achats. Donc là, je précise que j'y étais le lundi, malgré que j'avais dit que je n'y retournerais plus le lundi ou le mardi, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc effectivement, le lundi et le mardi, comme le week-end est passé, ils n'ont plus grand-chose. Mais vu que c'est les vacances, peut-être que j'y retournerai dans la semaine, voir ce qu'ils ont reçu jeudi ou vendredi, je pense. Je verrai ça selon la météo et selon le temps que j'ai. Donc voilà, bah, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous invite fortement à liker les vidéos si vous les aimez, à vous abonner si vous voulez continuer à nous suivre. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bisous. Yeah.